des bons coups de tête. Je pense que ça fait peut-être 80. Je pense qu'il fait le mètre. Ah ouais. Ouais ouais. Vu le rush qu'il t'a mis au départ et tout, ça tient bien. Je pense que c'est maîtrisé. De la Gironde, donc un poisson qui vient se reproduire dans le fleuve, et donc Romain a pris en vertical avec un fat tail 13 cm. Ah, donc on va se le mesurer puis le remettre à l'eau. 115. Wouh, magnifique. Ah, c'est bon, content pour toi, c'est cool, merci. Et après... C'est lourd en plus. Super. On va doucement pour le release. Ouais. Hop là, il est reparti. Nickel. Donc pour la pêche du maigre, moi je vous conseille, c'est le tambour tournant. En fait, ça va vous permettre de mieux suivre le fond, parce que nous, chez nous, on est sur des zones où le fond monte et redescend sans cesse. Donc avec le moulinet casting, vous allez d'une main pouvoir suivre facilement et redonner du fil quand tu auras besoin. Voilà. Après, au niveau des cannes, je vous conseille d'avoir quand même des cannes assez puissantes. Hein. De type chez Savage par exemple, vous avez la Custom Predator, moi que j'aime beaucoup, donc soit en 20-60 ou en 40-80 grammes, qui va vous permettre de pêcher en vertical jusqu'à 150. 150 grammes sans problème, hein. Donc nous sur la zone c'est on va dire le max qu'on peut utiliser. Moi aujourd'hui j'ai pêché avec la canne Slow Jig, la nouvelle Slow Jig en 20-90 grammes, et c'est une canne qui peut très bien faire l'affaire, hein, mais vous avez un modèle un peu plus puissant, la 30-140 je crois, qui elle sera un peu plus adaptée par rapport aux poissons qu'on peut rencontrer. Et donc pour ce faire j'ai choisi le moulinet le Komodo de chez Okuma en taille 364. Voilà, donc, c'est un moulinet qui a une récupération rapide et puis qui a en même temps une bonne capacité, enfin une bonne contenance de fil. Donc sur la Custom Predator, je l'ai garni en 13 de 28 centièmes avec un Shock Leader Savage en 60. Donc ça permet de combattre déjà des beaux poissons. Il dit non. Ah, le combat reprend. C'est magnifique. Encore un tour. Il a bouffé la queue du verre. 100 000 verres. Elle est comme nous cette bête, hein. Magnifique. C'est pour le leurre. Ah, super. Voilà. Génial. Tente pas trop, caméraman. Reprends un peu. Super au 100 000. Magnifique. Juste au début de la descendante. Génial. Yes. Magnifique. Une vidéo sur le thon, j'en prenais également plein ma gueule.
Bah écoute, encore un poisson au fat detail, coloris orange tiger. Voilà, un beau poisson. Prendre la mesure. Toc, j'ai pris contact. Et là, je commence mon animation. Je décolle de 50 cm, 1 mètre. Je reprends contact. Je laisse descendre. Et j'anime lentement, tout en reprenant le contact régulièrement avec le fond. Faut bien sentir le toc du fond, redécoller légèrement et laisser redescendre tout en contrôlant sa descente. La touche intervient à 90% du temps sur la descente. Pêcher le maigre quand je suis en guidage, bah, les deux leurres que j'utilise, c'est le soft sand eel et puis le fat titaille de chez Savage. Donc en fait, bah, c'est vraiment avec ces deux leurres là que ça prend bah, toutes les sorties. Hein. Donc c'est pour ça que je me prends pas la tête. Donc le soft sand eel, lui qui a un gros shad qui émet vraiment de fortes vibrations. Donc ça pour le maigre, bah, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Et puis ensuite, bah, du coup, il est disponible dans des coloris bien sympas comme le rose, le pink glitter et puis aussi le lemon back. Voilà, mais bon, les coloris naturels marchent bien, on l'a vu tout à l'heure avec Uma. Et le fat detail, c'est pareil, bah, vous l'avez en orange tiger, donc un super bon coloris pour le maigre. Voilà, et donc ensuite, bah, j'adapte mes grammages en fonction de la puissance de la dérive, mais. Du coup, le fat detail, c'est un leurre qui est vraiment pas très gros, qui fait 13 cm, mais qui est assez épais et qui émet vraiment de grosses vibrations. Donc bah, là encore, parce que souvent on fait l'erreur, on se dit bah, on pêche le mec, c'est un gros poisson, on met des gros leurres. Mais avec des petits leurres, on a vraiment de très bons résultats aussi. Donc on l'a vu, bah, Romain nous a fait un joli poisson de 115 avec le fat detail. Fichon, Romain! C'est loin, ça. Fichon, j'ai hâte de monter cette autolite.
Grogne. Alors un mot sur la sélection de Julien. Évidemment le soft Sandil qui est un leurre souple chez nous extrêmement populaire, d'abord basiquement pour le bar. C'est un leurre souple qui émet des vibrations extrêmement fortes, on le sent très très bien dans le sillon de la canne, même par grande profondeur. Et effectivement, on a pu constater que quand c'est pas le Fat Titel qui fonctionne, c'est le soft Sandil. Donc il y a vraiment une vraie complémentarité, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et puis avec ce coloris rose, évidemment, pour le maigre, c'est le top. Un mot quand même sur les têtes plombées que l'on vend avec, qui nous ont bien sorti d'affaire aujourd'hui, puisque quand vous touchez une tête de roche, évidemment la tête elle a tendance à basculer de cette manière, et quand vous tirez sur la ligne, vous vous décrochez immédiatement. Mais surtout ce qui m'a plu, c'est le combo. Alors le choix de cette canne, j'ai trouvé excellente pour pêcher de cette manière en verticale, avec ce talon super long que l'on peut caler sous l'aisselle. On est extrêmement confortable. Alors j'avoue que Julien l'a joué extrêmement sport, j'aurais pris moi aussi la puissance au-dessus, il faut être un petit peu viril au ferrage, mais c'est une canne super agréable. Et il faut savoir en fait qu'elle utilise la technologie OneDFR, c'est-à-dire c'est une couche de carbone unidirectionnelle qui est rajoutée sur la partie supérieure du blanc et qui permet d'avoir comme ça cette capacité de torsion. On peut tirer très fort sur la canne, on le voit sur les images, la canne elle est pliée en deux, elle est complètement cintrée, on se dit qu'elle va exploser. Mais en fait non, il y a toujours une réserve de puissance supplémentaire. Enfin, un dernier mot sur le moulinet qu'il a sélectionné. Il s'agit du Komodo, ici dans sa taille 364, LX, LX pour manivelle à gauche. 364, c'est la taille intermédiaire. Il y a une taille au-dessus, il y a une taille encore en dessous. Mais celle-ci est largement suffisante. Il faut savoir que le Komodo chez Okuma, c'est une star. C'est un des moulinets Big Bait les plus célèbres à travers le monde. Et il se trouve que cette nouvelle génération de Komodo, avec ce bâti en aluminium et l'entière pignonnerie en inox, est aussi donc marinisée. Et elle est conçue aussi pour pêcher les tonidés. Les Américains, on s'en fout. Et c'est évidemment excellent pour pêcher comme ça en verticale des gros poissons. Et pour être sûr, c'est une mécanique dont vous n'arriverez jamais à bout.